بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice numéro 26 sur le cours du triangle rectangle et le cercle. Niveau 2e année collégien, Royaume du Maroc. APC est un triangle rectangle en A et H le projeté orthogonal de A sur la droite BC. Tracez la figure petit b en s'appuyant sur le résultat de l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'on a déjà démontré que AH au carré est égal à HP fois HC. Vous allez montrer que AB au carré est égal à BH fois BC, puis AC au carré est égal à CH fois CB. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez répondre à ces questions. Je vous attends. Maintenant, on corrige ensemble notre exercice. Réponse. On commence par tracer la figure. Petit a, figure. Je vais commencer par le côté AB. Je pose ici le point A, ici le point B, et je prends mon rapporteur et je vais chercher l'angle qui mesure 90 degrés. Maintenant, j'ai mon deuxième côté. J'élimine cette partie. Je marque ici le point C et je trace l'hypoténuse BC. Je prends mon rapporteur, je cherche 90 degrés. Voilà, je le glisse, je le prolonge maintenant. Pour qu'il passe par le point A. Et maintenant, je trace H, le projeté orthogonal de A sur BC. Ça, c'est le point H. Je trace ce côté-là. Puis, je marque ici le symbole de l'angle droit et ici le symbole de l'angle droit. Voilà, j'ai terminé maintenant ma figure. Maintenant, on nous demande de tracer ou bien de démontrer que AB au carré est égal à BH fois BC. AB au carré est égal à BH fois BC. Voyons ça. Je peux appliquer le théorème de Pythagore sur le triangle ABH et les rectangles ont A. Donc, qu'est-ce que je vais écrire? Oui, AB au carré, c'est-à-dire le carré de l'hypoténuse, AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. AB au carré est égal à AH au carré plus HB au carré. Je vais l'écrire ici. AB au carré est égal à AH au carré, je m'excuse, plus HB au carré. Voilà. Et on sait que AH au carré est égal à HA, HB fois HC. HB fois HC. On l'a déjà démontré dans l'exercice précédent. Et maintenant, je peux remplacer AH au carré par HB fois HC. Et j'obtiens AB au carré qui est égal à HB fois HC plus HB au carré. HB au carré n'est que HB fois HB, n'est-ce pas? Et vous voyez maintenant, j'ai un facteur commun. Le voici, c'est HB. Donc, je vais factoriser par ce nombre.
Et je vais écrire AB au carré est égal à HB facteur de quoi? Oui, facteur de HC plus HB. Et si vous voyez dans cette figure, on a BC n'est que HC plus HB. BC, cette distance-là, BC, n'est que la somme de HC et HB. Donc je vais remplacer ici cette somme HC plus HB par BC. Et j'obtiens le résultat demandé. Voyons ça. Donc AB au carré est égal à HB fois BC. Je vais écrire cette démonstration. Montrons que AB au carré est égal à BH fois BC. ABH est un triangle ABH est un triangle rectangle en H. Donc, d'après le théorème direct de Pythagore, et j'applique ce théorème, donc AB au carré est égal à H au carré plus HB au carré. Or, on sait que AH au carré est égal à HB fois HC. On l'a déjà démontré dans l'exercice numéro 25. Alors, AB au carré est égal à HB fois HC plus HB au carré. J'ai un facteur commun qui est HB. Donc je vais factoriser par HB. Donc je vais écrire HB facteur de HC plus l'autre HB qui reste. Puisque H appartient au segment BC, alors HC plus HB est égal à BC. Donc, AB au carré est égal à HB fois BC. Conclusion. AB au carré est égal à BH. HB est égal à BH. Donc AB au carré est égal à BH fois BC.
Et on nous demande de montrer que AC au carré est égal à CH fois CB. Ce n'est pas la peine de faire cette démonstration, on va dire tout simplement de la même manière, ou bien de la même façon, on montre que AC au carré est égal à CH fois CB. Je vais dire cette démonstration oralement. Vous prenez le triangle ACH, vous appliquez le théorème direct de Pythagore et on obtient AC au carré est égal à AH au carré plus CH au carré. Je répète, AC au carré est égal à AH au carré plus CH au carré. Puis vous remplacez AH au carré par HB fois HC et vous allez trouver un facteur commun qui est égal à HC. Et vous remplacez HB plus HC par la distance BC et vous allez trouver ce résultat. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourzeitoun Marrakech. Au revoir.